Hello to all. I will give you some news from Japan today. We are the 14 or 15. I don't really remember. You know, I don't have all my thinking back. And so we are just the same day that we had a third explosion at the Fukushima nuclear plant. I'd like to say something. What we have right now as a new information in Japanese TV is this. A show, TV show, showing us where we can eat a good pizza. We have all the funny people here on the TV who are smiling, who are enjoying. This is the 12th channel. This is the 4th channel. Look at this, look at this, look at this. We are almost reaching a Chernobyl nuclear level right now. Look at what we have at the television. You know, listen to this. Huh? What a beautiful life. What do you think about this? Look at this one. Look at this one. Okay? Look, I don't want to expose more. There's people who are doing the job that government asked them to do. This is has nothing to do with these people. What I want to say is this. Since the explosion this morning, we have no more information here in Japan. We have no information since the last explosion. What they tell us since this morning is, don't worry, you have nothing to fear. We all know that this Fukushima nuclear plant is the biggest in the world and is in fire. I mean, all the reactors have exploded already, and what they tell us is, don't worry, you have no fear to fear. And we live here at 200 kilometers in Tokyo. So this is my message, all of you guys, please, just help to make this video spread all over the internet. We want to know the truth. That's all we ask. We want to know. We want to know if we have to live. We want to know now. We don't want the fucking TV show with the pizza and people smiling and laughing like nothing happened. Please, help me. Make a fucking buzz with this video. Do it. Do it. You risk the same thing as we do, because your government will never tell you the truth about what happened in terms of nuclear problem. They will never tell you. The proof is here. We have no news from this morning. How could it be? We don't want a TV show. We want to know the truth. Every minute, we want to know what are the risks, what we have to do. The truth. Help me, guys. Spread this fucking video everywhere. We want the truth. We have no news. We live here in Japan at 200 km from the Fukushima plant. 2011 à Tokyo, au Japon. Je suis là depuis le début de la crise nucléaire. En fait, je suis là depuis 10 ans. Je vais certainement vous demander qu'est-ce qui se passe au Japon, comment la crise est contrôlée. Nous sommes, comme je l'ai dit, le 15 juin 2011, 3 mois après l'explosion à Fukushima et 3 mois après les meltdowns des réacteurs numéro 1, 2, 3. La crise n'est absolument pas contrôlée ici au Japon. Je vais vous donner quelques informations qui sont dans la presse aujourd'hui. Un fermier s'est suicidé samedi. Un fermier s'est pendu dans son étable. Il a écrit des mots avec une craie blanche sur les murs. Il a écrit des mots comme « J'aurais préféré qu'il n'y ait pas un power plant dans cette région ». D'autres phrases étaient adressées à d'autres fermiers. Il leur disait « Gardez le courage en face du nucléaire, ne tombez pas comme moi ». Un pauvre fermier s'est pendu dans son étable samedi 13 juin 2011. Dites-moi pourquoi un fermier va se pendre si la situation est sous contrôle. Ce pauvre mec, depuis 3 mois, il a dû balancer son lait qui était radioactif, il a dû le balancer, là, dans la terre radioactive elle aussi. Ensuite, on lui a demandé de tuer ses vaches, il a dû tuer ses 30 vaches, qui étaient improductives. Et finalement, il vient de se pendre, là, ce week-end. Si vous prenez n'importe quel journal japonais d'aujourd'hui, par exemple celui-là,
le Japan Times. Vous voyez une photo ici, cette photo. Ce sont les activistes non nucléaires en Italie qui fêtent leur victoire d'hier et leur vote contre le nucléaire. J'aurais bien voulu que cette photo montre des Français. C'est ça que j'aurais voulu voir en première page du Japan Times. La photo des Français qui fêtent la victoire contre le nucléaire. Visiblement, c'est pas encore ça en France. Mais juste à côté, puisqu'on parle de Japon, ici, vous avez un article. Au Japon, à Fukushima, le gouvernement va distribuer 35 000 dosimètres pour les enfants de Fukushima. Parce que les parents là-bas, ils vivent avec une moyenne de 2,6 microsieverts par heure. On va distribuer 35 000 dosimètres aux enfants. Vous savez ce que c'est un dosimètre? C'est une petite machine comme ça, comme un thermomètre. Vous l'accrochez sur vous. C'est les machines qu'ont les travailleurs dans les power plants. Ce dosimètre, il n'a qu'une seule fonction. C'est de vous indiquer combien de radioactivité rentre dans votre corps chaque heure, chaque minute. C'est ça un dosimètre. Ça protège absolument pas. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Japon. On va distribuer 35 000 dosimètres à 35 000 gamins qui habitent à Fukushima. Ils vont aller à l'école avec un dosimètre sur eux pour que leurs parents, le soir, puissent contrôler combien de radioactivité rentrait dans le corps de leurs enfants. Voilà la situation aujourd'hui. Le Japon va être le premier pays dans le monde à envoyer 35 000 gosses à l'école avec un dosimètre pour calculer combien de radiation ils se bouffent dans le corps chaque jour. Un pays qui a 50 réacteurs nucléaires, c'est un pays faible. Regardez le Japon. Le pays le plus avancé technologiquement du monde. Le pays le plus avancé en économie. Le Japon, on a 50 ans d'avance au Japon par rapport à la France, à tous les pays d'Europe. On a 50 ans d'avance ici, sur tout. Regardez. Et il y a encore 53 réacteurs. Les réacteurs nucléaires, c'est le point faible d'un pays. On vous parle de l'économie, de l'argent. Vous n'allez rien perdre si on arrête l'énergie nucléaire. Eux, cette mafia nucléaire, ils vont perdre beaucoup d'argent. Mais vous, vous n'allez rien perdre. Vous allez rester en vie. Il faut arrêter le nucléaire. On a besoin de la France. On a besoin des Français. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre que l'affaire se calme parce que vous allez l'oublier. C'est maintenant que ça se passe. La révolution mondiale contre le nucléaire a été déclenchée le jour où Fukushima a explosé. Le point de non-retour a été déclenché à Fukushima. Le point de non-retour pour cette humanité. Faut se réveiller les Français. On a besoin de vous dans le combat. J'ai vu que beaucoup d'entre vous, Français, pensez que c'était ma première vidéo, un coup de gueule d'un père isolé en face des problèmes du nucléaire et de Fukushima. Bon, je faisais des vidéos depuis le début des explosions, depuis 4 mois. Je faisais des vidéos en anglais. Donc, c'est pour ça que beaucoup de francophones n'ont pas vu mes vidéos. Voilà, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, « Il faut se réveiller contre le nucléaire », n'est absolument pas un coup de gueule comme ça, spontané. C'est une vidéo qui suivait 40 ou 50 vidéos que j'ai fait sur Fukushima. Toutes ces vidéos ont disparu de mon channel de YouTube, on ne sait pas pourquoi ou comment. Et franchement, ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Nous sommes sur l'Internet, donc de toute façon... Les gens copient les liens, mes vidéos sont... On peut encore en voir plein sur des channels d'autres personnes qui ont recopié ces vidéos, etc. Donc je faisais des vidéos au jour le jour de la situation au Japon, je vivais là-bas. Je suis en France depuis une semaine et nous sommes le 7 juillet 2011.